cela. Et ensuite, j'ai lu le livre de Tom. Et lorsque j'ai achevé le livre, je pleurais. J'étais en larmes. Bon, c'est vrai que je pleure facilement lorsque je regarde la télévision ou des films, mais très rarement lorsque je lis un livre. Je trouvais ce qu'il avait écrit tout à fait magnifique et onirique, mais je pense qu'il ne résolvait pas l'histoire. Il était en train d'écrire cet aspect de résilience de chez l'homme. On s'en sort toujours. Et je voulais parler de la tristesse. Et je voulais parler. Et c'était, je voulais parler du deuil. J'avais perdu mon père, et c'était pas la même histoire. Mais finalement, à la fin, je suis tombé amoureux. C'est comme ça que l'inspiration fonctionne. Lorsque on fait quelque chose simplement parce que c'est du travail ou simplement parce que vous devriez l'aimer, bon, c'est bien. Mais je voulais ce coup de foudre. Et quand j'ai lu le livre de Tom, c'est ce qui s'est passé, c'est le coup de foudre. Et donc, j'ai demandé à HBO, j'ai expliqué à Tom comment j'ai été vraiment ému. Et puis, il m'a...